Bonjour, bonsoir, comment nous sommes? C'est Carnaval, nous venons avec une autre façon, une autre intro, dans souci pour nous montrer où c'est Carnaval réellement. Même le Carnaval a perdu valeur, si nous sommes capables de dire comme ça pendant bien des temps. Et je dis à nous allons parler sur Carnaval. Et ceci nous parlera plusieurs approches, Carnaval lui-même, les gains là-dedans. Bien avant de commencer, je vous remercie ou même qui déjà. Là, qui nous remercier réalisation en Kenny Jacques, Stéphane Pierre et nous saluons confrère Sonny Eliatus. Si vous avez besoin de bon genre info, c'est next à poursuivre. On parle sport qui passe sur plateforme Facebook et YouTube Fernando Live. Émission ça, c'est welcome bien sur émission. La donne nous toujours présentons un jeune ou même pour apprendre de lui. Et moi-même, tout, moi apprendre parce que moun pas jamais fini apprendre. Je dis à nous, jeune qui est ensemble avec nous, c'est Raquel Josil. Jean nous aime faire noter ces jeunes-là qui présentaient tête. Raquel Josil, bonsoir. Bonsoir Sévère, bonsoir et welcome Jeanne, bonsoir auditeurs et spectateurs et internautes de live. C'est un plaisir de vous ensemble avec vous après-midi. Et non, comme c'est Raquel Josil, moi c'est un jeune qui a été dans le domaine du tourisme à Créteil. Et c'est un plaisir pour nous ensemble, une bonne nouvelle passer, un bon moment pour nous parler de Jeanne nous gagner à cela. Voilà, et Jean-Noël Raquel dit, c'est un jeune qui a milité encore avancé dans sa qui a ouais avec touristes et puis Kilti. Mais en dehors de touristes avec Kilti, qui est-ce que nous sommes capables de dire Raquel? Un jeune qui travaille dans le domaine MNI, c'est-à-dire statistique, en dehors de l'édouard que nous avons fait dans le domaine tourisme à Kilti, nous travaillons tout dans chiffres et nous travaillons en tant qu'éducateur, nous travaillons en tant que responsable dans le domaine logistique pour un peu l'autre entreprise. Voilà, ça veut dire que si un jeune qui a un paquet de talents, Jean nous aime dire ici à nous toujours mener un paquet de jeunes ou même ou capable inspirer de eux ou même ou capable apprendre de jeunes ça pour avancer. Donc, welcome jeune, c'est une émission comme ça que l'idée. Ou même qui déjà en bas live là, partager, tag, il y a un paquet de monde, des amis, des familles, tout ça, parce que nous parlons ici, il y a un paquet de causes dans ça qui vient avec Carnaval. Surtout, nous parlons de approche Carnaval, encore approche Carnaval gagne dans ça qui vient avec secteur touriste là. Nous connaissons dans le temps, touriste, c'est un des outils qui te permettent en pile monde, en pile l'autre nation. En plus, l'étranger vient pas bon ici pour venir fêter Carnaval. Donc, Raquel n'a pas rentré comme ça. Et Carnaval, font-ils parler de Carnaval ou même comment on comprend le concept ça, festivité, en font-ils causer, dis-nous qui sont pensés de Carnaval. Carnaval, c'est une manifestation culturelle qui englobe musique, danse et nous capables et l'autre bagaille qui a rapport ensemble avec déguisement. Okay. Donc tout ça aussi rentrer en dans Carnaval là. Et Carnaval a un aspect tout culture, tourisme, culture, tourisme. C'est une liaison de deux thèmes ça fait ensemble qui c'est culture ensemble avec tourisme. Donc là où est Carnaval, où est côté que peuple ça ou bien nation, ça capte Carnaval dans le moment, il y a dansé, il y a enjoy, et il y a un moment de plaisir. Et là-dedans, tout que nous allons passer là, et sujet nous allons parler de lui, côté que tout, dans l'espace non formel, bien formel, tout, il y a rentrée économique à capter. Donc, à part de moun yo kap enjoy yo, culturellement, mais il y a un aspect économique en tout qui rentre en dedans. Donc, c'est ça qui est Carnaval là. Ok, donc qui apporte Carnaval gagné dans ça qui gagne avec tourisme, secteur touristique classique? Debout un carnaval, ou pral ouais que nous te dit déguisement, ou la musique, ou la danse, et l'autre nation en soi, je pral envie venir pour connaître qui ça carnaval ça apporté dans le pays ça. Okay. Et pas seulement, nous pas pour tout ça dans façon, côté nous pral parler du tourisme et de façon globale là, mais nous pral ouais tout tourisme local là. C'est ça fait auparavant, surtout les carnavals qu'on fait en Haïti et dans chaque département, ça permet que nous attirions plus de touristes locaux Okay. et qui baillent tout touristes sur le plan international. Mais qui rapport l'idée, c'est que les carnavals, ça a fait dans le pays, ça, l'autre nation a envie de venir conquérir ça carnaval là. Et Okay. à travers les résultats, je trouve par exemple, moi, j'ai un ami qui peut être aux États-Unis, et je me dis, Haïti, il y a un bel carnaval qui va venir là, donc dans mon venir. Et là,
apport touristique à venir faire. Et les gens qui viennent, ils ne viennent pas seulement pour le carnaval, ils viennent pour le carnaval là. Mais l'autre aspect, question site nous gagnons touristique local, site nous gagnons patrimoine nous gagnons, tout ça, le monde va intéresser pour qu'il soit capable de faire un petit coup de jet pour la connaître bien. Donc là, c'est après ça même que le carnaval a coûté en tant que touriste. Donc ça fait nous capables d'y environ 5 à 10 ans. Depuis nous structure carnaval la te gagné par Bolakay nous, ça a nettement changé. Surtout moi-même, l'homme te petit beaucoup j'aime. C'est une chance, bon, pas de chance, mais beaucoup j'aime aller dans le carnaval parce que festivité a est vraiment belle, mais moi-même, moi, du j'aime peur foule. Donc, le regarder autrefois, le carnaval a été fait seulement dans la capitale, là, surtout Saint-Mars, Borex, bah, comme ça, c'est comme ça parcours tu connais. Il y a des temps où, comme si les pommes étaient bien échangées. Quand vous avez un carnaval national, là, soit il fait au Gonaïve, soit il fait au Cap, soit il fait au Cap, est-ce que ça n'est pas joué sous les touristes qui sont venus visiter et venus participer dans le carnaval là? Et donc, pour moi, il n'est pas comme ça. Pour lui, ça. Parce que le carnaval, là, c'est une manifestation culturelle. Donc, c'est une belle festivité. Donc, tout le monde a envie de venir enjoyer. Donc, les que li commencé à changer de zone stratégique, quitter capitale là, aller dans deuxième ville pays, à troisième ville pays, à côté d'autres ampleur. Parce que ça crivé. En dans tout, ou bien dit touriste, bien que ce soit un apport de développement. Tout. Donc, c'est là nous avons fait quatre marchés informels là. Les carnaval la fait, par exemple, dans la capitale là, simplement, les gens qui sont naïfs là, peut-être, distance pour venir avec un commerce, pour mettre au carnaval là, pour les, par exemple, il a fait chapeau, il a fait l'autre bagaille qui a tiré le touriste pendant le tourisme dans le carnaval là pour t'acheter. Ça qui a permis que marcher par la distance pour venir par couillot, c'est difficile pour lui. Mais là, que là, les jeunes paysans, ça, ou bien artistes, ça, dans la commune ou bien dans le département là, ça permet que plus marché informel est capable de joindre pour être pâle, retomber économique là. Donc ça dit, c'est question carnaval qui était capital aller dans le département ou dans l'autre ville. Provinciaux. Donc, c'est au contraire mieux, permettre que tu es capable de gagner plus de marchés informels qui te joignent et puis ça tout permet de visibilité sur la zone. Et tout, là, nous dans le cadre touristique, ça permet tout pour découvrir potentialité touristique et richesse touristique qui vient de la communauté. Ça. Par exemple, imagine au carnaval qui fait de Gonaïve. Là, où est la couille, où est l'envie, alors qu'on s'est créé la couille, où est l'envie qu'on est plus bien de patrimoine, nous gagnons dans. Donc ça pas déranger l'autre chose. Au contraire, ça, si toutefois il y a une structure qui met en place, qui permet tout, question de retombées économiques et plus marché informel, plus artisan, capable de produire plus pour que vous connaissiez que dans telle année, le carnaval a bien joué dans la communauté. Pour là. Donc nous connaissons en Haïti tout bagaille, j'en ai même Noël, mais derrière bagaille, ce n'est pas comme ça, lié exactement. Donc, c'est-à-dire, pour une commune ou encore un département recevoir un carnaval, il y a un ensemble de mesures, il y a un ensemble de structures qui ont été faites pour recevoir un carnaval là. Souvent, moi-même, quand on a regardé via Métia, même des fois, il y a allé dans un côté qui est négatif, là, soit pour critiquer, pour dire, zone ça, département ça n'est pas prêt pour te recevoir un carnaval, je souvent critiqué, et comme si carnaval qui était fait dans la zone. Donc, si nous avons regardé le dernier carnaval qui était fait au Cap, Saint-Louis du Nord, c'était Port de Paix, vraiment. C'était Port de Paix. Nous avons vraiment critiqué le carnaval, ça veut dire dit, goutte l'eau parfaite, pas bien ensemble, de barrières qui tombent comme si, et ça qui t'a fait pour le carnaval là lui-même, lui fait Jean Satadouéa, il manquait un peu de barrières. Est-ce que là, et ça n'est pas baissé dans la valeur et fait là? Est-ce que pour moi-même, ce n'est pas un pas une zone qui peut-être qui a porté au carnaval, qui a plus opportun pour une zone. C'est pour ça qui cachait, c'est pour la structure que responsable du comité carnaval a mis en place. Peut-être un carnaval qui était fait pour des PA, était capable de route, de bonnes bagailles. Mais c'est puisque le carnaval là, nous connaissons pour le fait, ça c'est rentré dans le thème de planification parfois. Donc ça dit planificateur bien, il fait planeur.
peut-être pas en mesure pour comprendre. Donc, le carnaval qui a fait dans telle zone demandait tout un ensemble d'aménagement, tout un ensemble de structures pour que le recevoir. Et ça, pour j'en dis à l'Kabé, c'est vrai, puisque les touristes sont venus, il faut qu'ils soient confortables. Voilà. Il faut qu'il y ait un hôtel qui recevoir. Il faut que en plus ou moins une sécurité qui garantit. Donc, c'est là qu'il y a une autre approche que nous avons parlé de Bessa. Mais question de zone ou pas, non, c'est arrivé un plan, hein, comité carnaval là, pour que vous dites telle zone pour aller carnaval. Et carnaval, tout le temps de planifier, ce n'est pas 6 mois, 1 an. C'est pour un plan, depuis l'an 5 ans, peut-être le ministère du Tourisme qui est, ou bien la culture, le grand plan, il dit, mais tel genre de carnaval, ça va aller. Et puis, nous connaissons telle zone de carnaval. Zone pendant qu'on est dans le carnaval, on a une planification qui a fait. Donc, c'est là, c'est pour aller. Ça va dépendre de l'event planner, mais pas de zone qui est portée pour le carnaval en Europe. Il suffit qu'il y ait une accessibilité, qu'il y ait capacité, le détail qui rend les gens confortables. Parce qu'il faut chercher une question pour les gens qui ont fait des déplacements, soit touristes locaux ou bien internationaux, qui ont fait des déplacements pour qu'ils sortent de l'Est. Voilà, nous avons deuxième ou troisième jour du carnaval. Là, ça nous est matique. Nous avons fait commencer dimanche, lundi, et puis mardi. Là, il est fini. Donc, si nous regardons les responsables, encore autorité de l'État, il dit qu'il n'y a pas propice pour le carnaval fait. Sécurité, et COVID, tout ça, nouveaux variants, nous ensemble. Par contre, après avoir été par l'ordre, pour chaque commune, le carnaval, comment vous partagez, comment vous comprenez ça? Là, et bon, c'est nous, on vient d'un point ça qui est vraiment important. Et nous avons faiblesse au niveau de l'État. Faiblesse à qui prend le bail, qui porte le carnaval à gagner, comme retombée économique, basé, non. C'est qui ça? Investissement que l'État a peut-être fait dans le carnaval, il va rentrer. Tout l'argent ou investir, ou dépenser pour le bagage, il faut que le carré qui porte la prendre. Imaginez l'État, par exemple, autorité ou dépenser autant de 1 million de gouttes dans le carnaval, mais après, on va attendre qui, combien de rentrer après. C'est là, je pense que nous allons entrer dans la qui prend le bail. En portée économique que le carnaval a gagné après à part de touristes en portée touristique là là c'est faiblesse état parce que le carnaval c'est pas forcément que le COVID et insécurité par exemple pour COVID c'est des c'est aux questions sanitaires des gestes de barrière tout ça donc ça a développé qui fait le reporter là où l'autre date puisque peut-être COVID en vol bien la hausse qui fait là-dedans c'est après le grand carnaval de Rio, il y a Janeiro après, il y a avec COVID. Effectivement. Mais là que au fin dit pas de carnaval, après ça dit chaque commune fait le gain tout yon de roue de bac à discuter en dedans, ça fait craser rythme et beauté carnaval là. Ça crive, c'est que chaque commune a fait carnaval certes, mais tendance qui t'a bien le national là. Avec tendance communale, c'est deux bagages différents. C'est-à-dire, pour arriver que pas gain de jazz qui, mon état invité dans, c'était invité, ouais, et en dans commune, il n'y a pas qu'à joindre jazz ça. Et question, par exemple, c'est là que nous allons parler, question et retombée économique. Là. Par exemple, construction stand-yo, nous allons gagner ingénieur, nous allons gagner charpentier, tout ça. Là, mais tu as bénéficié. Donc, là, que le vin fait deux communes en commune, qui ça commune va demander? C'est nettoyage, une décoration en plus, mais qui ça encore? Pas trop d'instants, ça nous fait devant Myria, c'est des bagages qui sont tout planifiés, peut-être, ou bien bois, ou bien tout bagage. Donc, là, ça, il n'y a pas de retombe vraiment pour commune, non, puisque les gens sont là. Mais là, que tu as pris un carnaval, au point de vue national, tu as fait une seule côté, donc là, on a pris plus intérêt pour les gens et de plus retombe. Ya. Donc, pour moi, c'est faiblesse l'État. L'État faible au niveau de faire carnaval, pas faire carnaval, il n'y a pas ici de stratégie vraiment pour que vous connaissiez ça. Voilà, en fait, c'est ça, c'est une belle rallye, une belle approche que nous faisons sur ça qui est en tourisme et carnaval, comme si Jean Touristio a dû venir. Donc, nous connaissons carnaval Jacques Mel, ça a été une tradition. Une tradition. Des fois, il y a des gens qui ont fait comparaison à tout. Le carnaval Jacques Mel est plus belle que le carnaval national. Et c'est un carnaval qui est meilleur dans le Caraïbe. Voilà. Donc, et est-ce que l'année a fait les fêtes, ça qu'on a habitué. Et comment on comprend ça? Est-ce que le tas de fêtes vu avec niveau
insécurité n'a connaît actuellement. Est-ce que l'hypopiste tout, est-ce que c'était probable pour te gagner tout département, toute commune qui a fait carnaval? Là, directement là, si nous avons parlé d'après, bon, peut-être d'après dans une démarche qui vraiment et nous capables de discerner. Parce que là où le carnaval a fait comme ça, il y a un gâchis de l'intégration. Donc, ça veut dire que c'est quand même 1 million de gouttes là, ou bien combien de copes qui sont disposés à faire le passé. Donc, c'est un point d'intégration, nous ne pouvons pas prédire. Mais la question est, carnaval Jacques Mella, c'est toute une tradition. On peut même autorité de demander pour l'autorité nationale là. Donc, ça veut dire, c'est, est-ce que nous sommes capables de COVID pour le carnaval là? Non. Plutôt, nous pensons que c'est insécurité. Et c'est ça que nous avons dit à tout. Ou pas qu'à investir au COB et vous pas qu'à essayer de rentrer. Et moi, nous avons plusieurs décennies là que COB a investi dans le carnaval là, pour pas rentrer. Et ça, pas grand monde tout qui demande au compte rendu, qui demande au rapport, qui dit qui ça nous fait de carnaval là, nous avons dépensé 1 million, marché formel, nous avons vendu dans le banlieue. Et marché formel, par exemple, construction fimio qui fait stand, ingénieur, tout ça. Parce que là, on a bien. Monsieur, les impôts forts pour bailler un pourcentage pour a dit même l'état encore a bénéficié, mais malheureusement, toujours c'est même bail. Ça n'a pas les là, ça dit comme là aller, mais pas où on retombe. Et même pour mon audio à faire là, mon ami, même il pas intéressé. Imaginez de comment on dit à faire dans la commune, regardez où est communauté, gentil et à baguette. Donc ça dit pour moi, c'est l'état en soi, ça de commencer remédier avec situation. Ça commencer faire carnaval à retourner dans le pays. Malheureusement, ça fait presque deux ans, trois ans, que nous pas gagné tout presque. Presque. Et quand la fête cadre restreint, c'est-à-dire c'est même une zone de tout ça, même tout ce local en bagage, on ne pas quitter au cap pour venir au carnaval pour tout ce côté que nous connaissons pas en sécurité. Donc c'est-à-dire c'est aspect fait dans la commune, pas de problème, mais c'est structure commune, mais 3 jours gras et tout, mais 3 jours national, le temps de rester toujours une tradition pour que nous sommes capables de respecter. Voilà, donc nous ne pouvons pas parler du temps actuel parce que vous venez dans l'émission Welcome Jeune ou apprendre un paquet de bagages. C'est pour ça que toujours mener un paquet de jeunes qui connaît, qui connaissent, pour venir parler avec vous. Il y a un peu de monde qui a dit en balai là, monsieur vient avec un autre look. C'est carnaval, m'oblige. M'oblige, mettre un petit chapeau. Je t'aime pas m'arrêter. Nous mettons un petit chapeau dans souci pour nous. Pour nous montrer que fait là nous avons vivre. Donc off mic nous te posons une petite question. Donc mais là me veux poser une encore grand public de comment on comprend ça chrétien ou avec carnaval. Avant moi une question ça qui te dit tout. Ça aspect carnaval qui pas fait qui pas arrivé fait dans Jean pour arriver fait là le chapeau mettre la tête arriver fait paysan ça lui même ou bien artisan de préférence artisan ça veut dire comme là. Ouais. Les artisans qui t'a préparé depuis en novembre. Et puis, année après, elle commence pour que vous disiez, il y a un produit chapeau. Et imaginez que y a un carnaval. Et la majorité n'a pas trop bêté chapeau que ça. C'est-à-dire que c'est arrivé dans la festivité que vous avez acheté chapeau. C'est arrivé dans un touriste qui a sorti soir, partout ailleurs, qui a venu pour acheter chapeau. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a du mal à faire avec ce secteur informel ça? Donc, c'est pour me faire comprendre que en retombée positive qui a gagné ou économique qui a gagné dans le carnaval là, quasiment, il y a les tombés là, et paysans ou bien artisans, des artisans de préférence, artisans là qu'on a perdu tout. Bah, ça, yo, le travail, bien que prêté comme tout. Donc, c'est une peu comme ça. Est-ce que chrétien a un tas de fêtes carnaval? Donc, là, t'es dans le goût de bas là. Bon, moi, c'est que parce que carré, on va y aller là-dedans. Mais ça m'a dit, c'est que c'est pas fêté ou pas, c'est qui sont fait de finalité comme festivité ça. C'est qui sont fait comme finalité. Est-ce que les malades ou qui sont malades, c'est ça qui t'a des questionnement. Par exemple, imaginez, un chrétien et puis moi, c'est un journaliste. Est-ce que l'âme d'adoué, depuis ce carnaval, côté ma travail là, et médias pour médias ma travail là, est-ce que pas doué à l'événement ça? Donc, c'est qui sont fait, c'est finalité de l'événement. Est-ce que les malades, mais pour qui sont malades, mais pour qui sont malades? Tu comprends? Parce que c'est une manifestation culturelle. Donc, nous allons pour mal apprendre de. Puis bien de qui ça pays a, de ça qui caché des pays a. Par exemple, le carnaval qui s'allait au Gabon a, il y a des guisements, il y a posé des questions. Et monsieur, j'ai longtemps l'aime des petits, il a parlé de Chalouska, il y a ça, tout le monde. Mais ça, c'est ça qui est important, il y a regardé. Donc, ce n'est pas chrétien ou pas,
mais c'est finalité de ce fait pour faciliter. Voilà, donc on a continué qu'on y a un alloué et importance carnaval là bien dans tourisme local là. Donc et Jean Oudia et imaginons que et artisan qui fait chapeau ça dans tête moins et dans tête moins là, il t'a fait un stock, il t'a fait 200 chapeaux par exemple. Et puis boum, la ton carnaval, pas de carnaval. Donc comment vous comprenez ça? Qui impact ça a fait sur artisan qui produit ta poids? Il y a plusieurs impacts. Connaissant Haïti, nous tous qui haïtiens nous connaissons ça. Tout ça, nous avons fait, pour le répondre avec les besoins. Avec besoin de famille et tout. Donc imaginez artisan, il fait tout, il y a près d'elle. Peut-être qu'il y a prêté la tannée, il y a prêté et peinture, il y a tout ça qui a qui a fait chapeau et l'attend que carnaval n'est pas capable d'entrer comme là et quand même que pas d'un aspect tourisme nous parler touristes en façon globale comme si l'autre nation vienne mais attend que moi-même ou même qui va venir dans carnaval on va faire un chapeau et les chapeaux alors elle vient à l'ouest la marque Haïti et au sentiment mon patriote on va chez donc ça fait du mal avec artisan ça et petite ligne là petite l'école petite ligne manger famille madame ni ou même mari ça gagne quoi impact sur lui. Donc ça dit c'est pas seulement pour chapeau mais pour l'autre bagaille tout par exemple question par exemple dans alcool des moments ça mon pour faire des éclairer là qu'a fermenter des éclairer là pour faire l'autre bagaille parce que dans moment ça mon a boire. Donc est-ce qu'on comprend? C'est quand même c'est pas des produits qui périssent qui perdu valeur qui va perdre ça dans un moment ou l'autre mais quand même période carnaval là c'est une période qui t'est capable de couler effectivement ça dit on va plein en stock et puis stock qui va gagner connait à petite quantité on va le vendre et il y a des périodes ça pas trop recommander il y a des périodes l'autre des bagages artisan fait par exemple imaginer un artisan qui dans question de glissement qui fait des courtes ya donc ça c'est des bagages qui fait pour une seule fois là imagine le bras qui pour l'autre année faut que les couleurs les peintures et l'autre bagage ça dit ça il y a un impact sur question économique ou non peut-être sur même l'école il va mal dans l'école parce que il t'a prêt à me recouvrir bien répondre avec besoin l'école petite avec famille voilà donc ce point ça moi me sens d'accord ensemble avec vous si m'a regardé samedi à monter une activité que small noisy de faire sta parade moi il venait sta parade monter là comme caméraman moi il venait activité à gon paquet belle exposition qui fait me définir pour filmer activité à mais le moi il veut tellement un bagage bon yo belle langue obligé acheter un petit cassave. Parce que bah la belle donc on a envie consommer donc on passe dans genre de bagaille ça yo pour importance et touriste local là les fait pour que l'état lui-même les prend les pas responsabilité parce que ça dit vraiment et ça me dit dans ma chaîne formelle là mon a préparé cassave les préparé vous bonne bagaille que le connaît ou même qu'a fait déplacement ou pas gain chance manger chaque jour la caillou imagine par exemple moi même ça sur moi dit depuis rive nous activité très local qui mettait en évidence qu'il petit pays moi même prend petit noir ouais moi même prend l'autre bail qui vraiment que me pas gagne chance je ne mange de temps en temps et laisse à tout ou encourager commerçant ça voilà et lui même tout parce que dans moment ça c'est là j'aime dire tout à l'heure il renfloue stock li et laisse ça fait plus gros dépense investissement parce que attendre que le bral écouler et malheureusement donc ça dit ça vraiment c'est l'état pour prendre responsabilité pour permettre que secteur informel là monde qui dans secteur ni informel ni formel là pour que carnaval la capable voilà donc c'est comme ça me penser n'a dit un paquet belle bagaille là surtout moun yo même yo a pas prendre et dans ça qui gagne ouais avec carnaval donc n'a continuer et nous va ouais et économie qui rentrer dans carnaval là chaque année tout monde toujours ouais un ensemble de dépenses. Je toujours dit, mais combien de copes qui disposent pour le carnaval fait? Est-ce que les déposer comme ça? Sont des dépenses qui peuvent le faire? Est-ce qu'après, les bénéfiques pour l'État haïtien ou bien les bénéfiques pour les gens qui viennent dans le carnaval là? Ou du moins, les gens qui viennent exposer pour le tuyau dans le carnaval là? Pour moi, même dans les deux sens, ce n'est pas même bénéfique. Et on peut bien dire, ces dépenses faites au lieu d'investissement. Ce n'est pas de dépenses. L'État, parce que l'État qui s'en là, il est là pour que lui ait une bonne gestion cité, pour que lui capable de permettre que
cité ou bien monde en population en communauté a yo même yo capable gagne une bonne gestion de ça y a faire. Prends 1 million de gourdes, bon rete dans 1 million de gourdes, investir dans carnaval. Bon, on dit investissement parce que ça va doué mais malheureusement il dépasse ce qu'il fait. C'est à doué permettre que parce que qui sacrifie comme qu'il en est assez même population encore encore c'est taxé à prendre sous ou ça va moun va acheter encore. Donc imagine qu'on y a là ou pas 1 million de gourdes. 1 million de gourdes dans carnaval là doit travailler pour qu'il est capable de bailler plusieurs millions de gourdes encore et remettre 1 million de prêté à la caisse et servir avec le bail pour bénéfice communauté. Là c'est aspect économique toujours de carnaval là. Le carnaval là qui gagne plus porté touristique et culturel là et puis car il tombe la retombe économique là, il est bon pour communauté. Les ça mairie a gagne plus sous budget qu'a fait là et qui a une partie qui réserve dans la rubrique qui a un rapport avec la direction culturelle pour des activités comme par exemple champêtre, activités communales, fêtes patronales. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ça que tu dois déboucher sur lui. Mais malheureusement, Léo, pour moi, investissement comme investissement 1 million de gouttes là, lui-même, c'est dépenses qu'on fait. Donc, comme là, il est coulé, il est passé, puis. Pas qu'on retombe, pas attendre rien qui dit après. Donc là, les plus fait un gaffe pour l'État au lieu que l'État ait une rentrée ou bénéfique, même pour l'État, même pour le monde qui a pris. Pour qui ça? Parce que l'État a un aspect d'insécurité. Parce qu'elle prend 1 million de gouttes en disant, moment où il y a un carnaval national, côté gain, insécurité, question, question, vous pensez que les artisans qui ont fait chapeau après le viennent exposer la ville là? Non. Commerçants qui gagnent production locale de noix de coco et question cassave bon bois cochon clairin plein pas bien exposé la facile et laisse ça qu'on a ou dit ou faire le bénéfice de monde ça pas faire rouler donc tout ça fait pour monde faut qu'awel li fait dans qui moment pour qui ça et qui ça monde tout lui même li te veut dans moment parfois pour penser au faire bagaille pour monde ou bien pourtant c'est plus mal de tout capable faire. On a regardé et on a regardé ça. Donc qui moyen l'état ici t'a doué utiliser, me dit t'a dû utiliser pour carnaval la bénéfique pour lui. Ou du moins tout le cas bénéfique pour lui nous pas connait. Bon pas fin quoi. Pas fin quoi. Puisque tout gon nous pas gain côté pour nous. Nous pas gain côté pour nous poser question. Pas gain question, pas gain côté tout. Pour donner pour voter donner en sous par contre parce que la sous parler y a attendez parce que sur plus gros plateforme network donc qui gagne vraiment nous souhaiter ça et nous penser tout ça c'est ouais puisque nous welcome jeune ça c'est bail qui d'avoir fait avec la jeunesse ça c'est plus quoi que jeune yo doit connait qui ça que pays au fond yo qui ça au même yo doit pour pays voilà donc pour moi ni pas beauté et puis premier bail que l'état a de garantir c'est aspect sécurité pour nous c'est ça nous on parler c'est ça que tout question touristique en Haïti vient faire que li li bonné li république entre l'amour ou ben bagarre pour qui ça parce que faut que moun nan ka sentir un peu confortable faut qu'il ka confortable imagine ou fait carnaval là ou dire ou faire pour population vrai par exemple qui dit il y a bien là ici quand même moment ça le just qui la diaspora mais t'as rentré les nèg a connait la rentré yo ka tout prendre l'aéroport là est-ce que vous comprenez et encore l'état vraiment c'est l'ambiance ou pas grand leadership pas gain une bonne gestion l'état lui même il t'a de penser que les diaspora rentré comme il t'a dépensé 1 million de gourdes là tout diaspora ben tout secteur amoun yo qui dans informel yo tout monde net toute catégorie ça permet qu'il ta rentrer plus toujours. Donc c'est là pour moi-même que l'État fait blesse l'État et l'État a dû recommencer ou bien dire remédier, repenser question carnaval là. Donc monsieur moi-même ça que m'a dit nous si n'a fait pays on nous fait pays raison si n'a dépensé pour nous capable rentrer si n'a dépensé pour nous capable rentrer si nous investi 1 million gout pour nous faire carnaval même si c'est 2 millions, 1 million de dépenses à en faire en sorte que pour nous rentrer sur les. Bon, qu'on gagne des trucs. Bon, qu'on va partir. Parce que dernièrement, nous avons regardé des artistes qui t'ont plein et ils n'ont pas payé au carnaval, ils ont chanté, ils ont ceci, ils ont cela. Mais si on fait en sorte que pour nous rendre et carnaval là, ils ont un qui bénéfique pour tout le monde. On fait carnaval, j'ai été connu dans le temps, j'ai pas me déconner, j'ai été connu
Il était connu là, grand-papa me déconne mettre le soukoul pour y aller dans le carnaval, à danser sur ça. Ouais, il a aimé ça, lui-même. Il retourné dans sa tête dans le temps. Donc, et Raquel Josie, nous sincérité dans la fin émission et ceci nous parler, nous paquet belle cause. Et donc, non, ouais, comme j'aime, nous toujours fait comme ça. Toujours une seule question pour nous finir l'émission pour tout le monde. Une question qui est très facile. Des fois, nous avons une difficile, mais nous-mêmes, nous avons très, très facile. Seconde question, nous pas poser, posez tout, et puis répondez. Donc, c'est une question très facile. C'est facile, oui. Wow, question qui est difficile, moi. Oui. Ok. Donc, moi, c'est une question de cas ça. Et moi, c'est une question pour tout le monde. Si toute femme d'arriver dans la position, position, on dit, étatique, ou bien, on dit, par exemple, culture, ou bien, tourisme qui ça qui est capable utile pays à la question carnaval. Donc ça va tout répondre pour ça. Bon c'est pour y aller là c'est permettre que tout le monde catégorie comprenne qui ça carnaval là et comprenne qui ça ministère ça là pour le faire et bon c'est tout c'est à repenser carnaval d'une autre façon. C'est pas seulement le carnaval national mais tu as des carnaval communal tout faire communio fun potentiel yo gain yo et permettre ça te capable attirer plus touristes puisque ouais. Chaque commune gagne au minimum depuis une semaine il gagne chaque jour un carnaval pour telle commune ça t'a permet tout ça lui même faire le tour d'Haïti il connaît qui ça qui Haïti et ben c'est là tout pour l'autre bail qui est capable gagner comme finalité c'est plus investissement qui pourrait être plus durable parce que la diaspora rentrer li wè sodo li wè am citadelle li wè bastien bleu li wè tout bagay sa il pral wè un problème ki yo gen en pi la de pas trop accessible donc là il t'a pensé quand même à un projet d'entreprise et qui t'a bon pour communauté a qui t'a bon pour l'état parce que l'état t'a besoin de participer et qui t'a bon pour toute population voilà ben c'est elle pose une belle question et ceci li ba une réponse immédiatement bon donc ça c'est à féliciter donc pour question que me t'ai posé est-ce que chrétien capable participer ou bien aller dans le carnaval. Moi même ça que me veut dire se causer ça. Tout ça on fait pas jamais ou pas faire X ou pas faire Z. Mais toujours apprendre yon bagay de nouveau, yon bagay kap edo dans tout ça ou kap fait dans pays. Ou encore dans le monde tout, même j'ai la guerre qui gen kounye la Russie et l'Ukraine. Donc pas dire pour X, pas dire pour Z. Et qu'on ça tout capable bien sentiment d'appartenance. Mais apprendre yon bagay ka utile ou nan tout sa ou même ou fait pas fait ou bien ou ouais et bien apprendre cultiver tolérance également voilà Jean Raquel dit apprendre cultiver tolérance donc émission ça c'est Welcome Jeune qui passe deux fois dans semaine là sur Pigo Platform Network qui gagne en Haïti et moi remercie ou même qui t'a partagé live là moi remercie Johnny Hervé Erika moun ti toujours en bas live là qui partagé. Moi remercie nous chaque qui t'a partagé que me pas ouais que nous pas commenter tout. Moi dis nous merci. Merci avec réalisation qui te rend ou même on t'a regardé. Comme ça Ken les Jacques, Stéphane Pierre, moi remercie nous. Moi remercie nous tout net. Plus tard, nous pour aller enjoy dernier jour carnaval là. Fais la prudence, pas boire trop, moi connais fond boire. Et soit boire, pas boire pour sou. Soit qu'on dit pas boire même comme ça n'a vive et ouais plus chaud. Vous êtes content ensemble avec nous? Rendez-vous, c'est pour vendredi. Bye bye tout le monde.